Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc une petite vidéo qui va être une présentation d'achat avec, pour commencer, la présentation d'un objet qui me tenait forcément beaucoup à cœur. C'est ce steelbook euh, de King Kong. Donc version de Peter Jackson. Ah, quel film, quel film, quel film, quel film. Donc euh, Naomi Watts, Jack Black, Adrian Brody, dans les acteurs principaux, on va dire. Alors ce Steelbook, voilà, j'avais pas de Steelbook. Vous voyez, j'ai une collection de King Kong quand même assez sympathique, euh, mais j'avais pas, j'avais pas de Steelbook. Donc, euh, bah là, quand j'ai vu qu'ils allaient en sortir un euh, avec le 4K que j'avais déjà, <laughs> je me suis dit c'est l'occasion ou jamais. De toute façon, il y a toujours des bonus euh, qui vont, euh, qui vont être intéressants à voir, euh, qui ne sont pas forcément dans toutes les versions, et donc c'est plutôt sympathique. Euh, que dire de ce film qu'à part euh, que, que la dernière demi-heure est pour moi insupportable, <laughs> mais sinon c'est un pur chef-d'œuvre. J'adore, j'adore, j'adore une véritable histoire d'amour au sens noble du terme entre euh, la belle et la bête. Euh, Naomi Watts, hein, qui est, euh, qui franchement voilà, c'est son le rôle dans lequel euh, dans lequel je l'ai je l'ai préféré, c'est clair. Euh, et euh, King Kong, euh, voilà la bête immonde. Euh, euh, répugnante, euh, sauvage, mais qui finalement euh, a un cœur euh, énorme et qui est complètement euh, raide dingue de cette euh, ce petit être humain euh, qui est, qu est Naomi. Naomi. Euh, voilà. Donc le le en lui-même a rien d'extraordinaire. Sincèrement, bon, j'aurais bien aimé un petit peu d'embossage et de débossage. Apparemment, sur la version allemande, il euh, y a un bord cadre et le le gorille, on va dire, hein, est en relief, et je crois aussi Naomi Watts. Sur la tranche, au moins pas de furiture, il y a juste le titre. Euh, le verso est beaucoup plus sympa, avec euh, bon, même si euh, c'est pas la meilleure image de King Kong, <laughs> moi je préfère euh, perso celle-là, euh, mais il est beaucoup plus joli avec euh, des effets un peu métalliques euh, par, par, à certains endroits, notamment au niveau des yeux euh, et des, des canines. <laughs> euh, voilà. Il est sympatoche. Il y a la version longue et la version cinéma, les deux en 4K. La version longue fait 3h20 avec des scènes assez sympathiques. Et moi, 3h20, je ne les vois pas passer, franchement. Et j'ai très très envie de le revoir. Là, d'ailleurs, je vous mets quelques extraits. Et, franchement, si je n'allais pas travailler dans quelques heures, je me mettrais à regarder ce film. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite présentation de ce style book vous donnera envie. Hein, si vous ne possédez pas ce, ce chef-d'œuvre de Peter Jackson, euh, moi, je m'en lasse pas. Alors en plus, il... Franchement il s'attaquait à un mythe hein, parce que le King Kong de 1933 avait vraiment euh, marqué les esprits, hein. c'était quelque chose d'assez euh, phénoménal, donc c'est celui qui est juste derrière il euh, y a eu la version aussi avec Jessica Lange et Jeff Bridges qui était pas trop mal euh, mais j'avoue que cette version euh, de Peter Jackson c'est pour moi le, le summum euh, je m'en lasse pas, euh, après ce qui a été un peu dérivé, euh, Kong Sky Island euh, je déteste pas hein, mais c'est carrément autre chose, c'est une autre approche euh, là c'est vraiment plus un Jurassic Park euh, avec un gorille quoi. donc voilà bon, on va continuer cette présentation d'achat avec d'autres choses que ce steelbook hein, j'ai pas mal de choses à vous présenter alors, on continue avec la présentation euh, des achats. Donc, euh, quelque chose que j'ai fait venir. Alors, je sais plus. si C'est d'Angleterre ou des États-Unis, mais je crois que c'est des États-Unis. Donc, c'est le Blu-ray de Payback, un film avec Mel Gibson que j'adore et qui ne se trouve pas en France en blu Encore un, un scandale absolu. Euh, bon, faut savoir quand même que là, euh, vous avez la VO sous-titrée français, mais vous n'avez pas de VF. Alors, j'ai gardé pour se faire quand même au cas où. Euh, mon euh, ici j'ai mis euh, le DVD hein, que j'avais de paycheck j'aime bien faire des petits montages comme ça en fait je fais une pochette et puis euh, je garde le DVD surtout pour des films comme ça où c'est pas pas la même euh, configuration audio on va dire euh, puis ça fait un bel objet, ça fait un collector euh, perso. Donc Payback, c'est un super film, euh, vraiment excellent, euh, où Mel Gibson incarne un, un, un espèce de gangster, euh, de, pas de super au vol, hein, euh, mais qui va se faire euh, arnaquer euh, par, ses, euh, par sa compagne euh, et par ses collaborateurs, si je puis dire et qui ne veut avoir qu'une qu idée, c'est se venger et récupérer l'argent la, récupérer, euh, euh, qu'ils lui ont volé. Alors c'est pas une somme de fou en plus, hein, c'est tout le paradoxe du truc, euh, mais il va jusqu'au bout. Franchement la BO est excellente, il euh, y a vraiment de très très bonnes choses, et ensuite euh, dedans il y a notamment un doc de Bordeaux, hein, donc euh, forcément déjà, ah, euh, mais pay, payback, j'allais dire paycheck, payback est vraiment euh, excellent. Donc voilà, très content d'avoir chopé ce film. Alors dans le registre un peu euh, d'acteurs un peu comme Vigo Mortensen, Mel Gibson, Tom Cruise, etc. Euh, je, je me fais la filmo euh, de Viggo. Euh, J'avais euh, les Promesses de l'Ombre hein, de David Cronenberg qui est vraiment excellent hein, avec une histoire de mafia russe, euh, de, 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 de carnet secret on va dire et toujours bah, justement pour faire la liaison avec King Kong Naomi Watts. Donc je me suis trouvé enfin, ça faisait super longtemps que j'attendais euh, la bonne opportunité pour me procurer euh, a History of Violence, donc toujours de David Cronenberg, excellent, avec un Ed Harris au sommet. Donc en gros un mec euh, qui est propriétaire d'un restaurant, il va y avoir deux braqueurs qui vont s'attaquer euh, et, et, au restaurant et mettre euh, en danger euh, et sa vie et celle de ses clients. Il va intervenir, tuer les deux malfrats. Il va devenir un petit peu le héros local, mais ça va attirer des personnes euh, somme toute euh, pas très recommandables. Ensuite, pour ma filmographie de Tom Cruise, Magnolia, film de destin croisé hein, que je n'avais toujours pas. Euh, il paraît que la prestation, euh, toujours pas vue d'ailleurs, je ne le possédais pas, je ne l'avais pas vue. Euh, il paraît que la prestation de Tom Cruise est vraiment sympathique et assez originale. Euh, et une grosse pléiade d'acteurs. Donc euh, pareil, il est, il est toujours assez cher ce Magnolia. Et là, je l'ai enfin trouvé à un prix euh, intéressant. Donc voilà. Pour ma filmographie de Robin Williams, j'avais ce camping-car en DVD. Pareil, le, le printemps de la vidéo m'a permis d'avoir Camping Card, je sais plus 7-8 euros. Euh, alors, c'est pas le meilleur film de Robin Williams en tant que tel. Hein. C'est pas une prestation d'acteur de fou comme il nous a donné euh, dans Le Cercle des Poètes Disparus euh, ou, autre, euh, ou autre chef dœuvre hein, même dans Madame Doubtfire, dans le registre comique. Là, c'est assez euh, vraiment grivois, euh, pipi-caca hein, comme humour. Honnêtement, c'est une comédie pour... Euh, pour adolescents, pour enfants, etc. Il y a de très très bonnes choses, mais c'est vrai que des fois, bon, c'est pas non plus très très recherché et c'est assez primaire comme humour. Mais malgré tout, les situations sont cocasses. Il y a il y a vraiment de bonnes choses et puis en gros, c'est un mec qui arrive pas à décrocher du boulot et qui décide quand même de partir en vacances, mais avec tous les aléas que ça va avoir. Il y a de bons moments. Il y a vraiment de bons moments. Ensuite à Nose, j'ai trouvé euh, ce Summer of Sam, donc euh, film de Spike Lee que j'avais bien aimé, hein, que j'avais découvert sur le tard, parce que la jaquette donnait pas envie, euh, les DVD ne donnaient pas envie, euh, une fois j'ai franchi le pas et euh, j'ai pas été déçu du tout. Un hein, film euh, euh, avec, euh, comment dire, le... Alors je sais plus si c'est à New York, le New York des années euh, 70, avec euh, tout ce que ça comporte euh, de drogue, de, 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 de disco. Euh, de, de, de sexe débridé de partout et compagnie euh, et euh, il va y avoir un, un tueur en série euh, dans, dans tout ce registre dans tout ce, ce cet environnement et ça va, ça va faire un film vraiment sympathique, hein. moi j'ai adoré l'ambiance John Leguizamo d'ailleurs est aussi euh, terrible dedans, donc une très très bonne surprise que ça avait été et là quand je l'ai vu euh, à nose, j'ai sauté dessus euh, littéralement euh, j'étais ravi euh. donc voilà, Summer of Sam et un deuxième film que j'ai pris à nos également, Les Révoltés de l'île du Diable. Euh, pareil, j'ai regardé vite fait, je ne connaissais pas trop ce film, j'ai regardé vite fait les critiques, elles étaient carrément élogieuses. Une histoire de maison de redressement pour, pour adolescents, je crois, pour les jeunes délinquants. Euh, et voilà, apparemment, c'est un très très bon film. Donc je vous dirai ça une fois que j'aurai vu. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Donc, Premier petit compte rendu vide-grenier. Alors c'est le premier de la saison 2019 que je, que je fais. Euh, attention, il n'y a pas grand-chose. J'ai trouvé quelques petits trucs, mais suffisamment pour, pour voilà me, me dire que j'ai pas perdu euh, mon temps. Après, c'était tout proche de chez moi, donc c'est tout bénéfice. Hein. Euh, j'ai même pas eu à prendre ma bagnole, donc c'est pour vous dire si c'était proche. Et en plus, j'ai rencontré un passionné, donc c'est toujours intéressant de discuter avec des gens euh, qui ont qui ont le même vice que nous, on va dire. Donc, le premier film que j'ai trouvé euh, que je cherchais depuis super longtemps, hein, c'est euh, Le Retour de Jaffar. Alors, c'est pour la, la collection Disney, euh, mais c'est vraiment euh, un Disney que j'avais bien aimé. Euh, donc je suis très content euh, je l'avais vu une première fois euh, je sais plus où mais à, mais à 10 euros d'occasion donc ça me faisait vraiment chier tandis que là à 1 euro, là on se pose pas trop la question euh, il est dans un état absolument impeccable disque, euh, aucune rayure donc, bref je suis super content deuxième film que j'ai trouvé euh, c'est un film avec euh, Michael J. Fox hein, c'est euh, Graines de Stars je viens de penser que j'ai pas allumé la petite lumière derrière moi qui fait que c'est peut-être un petit peu sombre. Voilà. Donc Bagren de Star, c'est euh, il n'a pas fait beaucoup d'autres films euh, à part outrage. Euh, Qu'est-ce qui est encore euh, la manière forte? Euh, ce que j'aimerais trouver, c'est Doc Hollywood, et il y avait ce Grain de Star. Alors, Grain de Star, c'est un agent, euh, Michael G. Fox, c'est un agent euh, qui est censé euh, bah, découvrir les futures stars de demain euh, parmi les jeunes, euh, les jeunes prodiges et les enfants. Euh, et euh, il va enfin trouver sa star, mais elle va lui donner du, du fil à retordre, comme on dit. Très content, assez rare, euh, pas, pas le film hyper commun et euh, très content d'entendre ça dans ma film Michael J. Fox, hein, euh, il y a Fantôme contre Fantôme aussi qui est excellent. Mais voilà, il n'y a, a, a pas 50 000 films de Michael J. Fox, hein, malheureusement suite à sa maladie, là, il, il, a, il a arrêté et euh, donc ce fameux passionné euh, avec qui je discute m'a offert euh, un man movies euh, donc euh, qui parle de Lilo Chien, de Ready Player One, euh, de Strangers et forcément de Deadpool. Enfin bref, c'est euh, sympathique, toujours content de rentrer un, un bouquin comme ça. Et puis en plus, bah, là, il me l'a offert, donc c'était vraiment très très gentil. Euh, on est censé rester en contact. Euh, ça fait toujours plaisir de rencontrer des passionnés comme nous. Voilà, j'espère que ce petit vide grenier retour vous a plu et puis euh, regardez la suite de la vidéo. Well, everybody's heard about the bird. The bird, the bird, the bird is bird. a winner. Well, the bird, bird, bird is a winner. Well, the